Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une routine de 9 minutes avec 9 exercices pour soigner, pour soulager votre sciatique. Alors deux choses avant de commencer. La première, si vous avez actuellement une sciatalgie, je vous invite à consulter pour en déterminer la cause. Peut-être que vous avez une hernie discale, de l'arthrose, etc. Quoi qu'il en soit, plus le diagnostic sera précis et plus le traitement sera adapté. Deuxième chose, si l'un des exercices que je vous propose dans cette routine est trop douloureux, alors modulez-le en intensité. Allez un peu moins loin en amplitude ou modifiez tout simplement un peu le positionnement. Si malgré tout le mouvement est trop inconfortable, alors passez à l'exercice suivant. On est parti pour la routine de 9 minutes. On commence avec le premier exercice et il s'agit d'un assouplissement lombaire en flexion. Pour ce faire, vous allez saisir vos deux membres inférieurs et vous allez les rapprocher de votre abdomen. Pensez à toujours bien respirer, une grande inspiration suivie d'une grande expiration. Si l'exercice est confortable, vous pouvez engager les cervicales et les dorsales en flexion, de façon à avoir un assouplissement global de toute la colonne vertébrale. Dans un deuxième temps, vous pouvez associer de petites manœuvres circulaires au niveau de la région du bassin, de façon à avoir un assouplissement qui est rythmique, à la fois dans la flexion et dans une légère rotation vertébrale lombaire. Vous effectuez une dizaine de manœuvres dans un sens, puis ensuite une dizaine de manœuvres dans l'autre sens. On enchaîne avec le deuxième exercice qui est un assouplissement en rotation lombaire. Vous allez faire basculer vos jambes, vos membres inférieurs, du côté opposé à votre sciatique, de façon à étirer la partie latérale de la musculature du bassin et à assouplir dans la rotation vertébrale lombaire. Si vous êtes à l'aise sur ce type d'exercice, vous pouvez augmenter la flexion articulaire des hanches pour avoir une action qui va se porter davantage sur la partie thoracique. Dans un deuxième temps, vous pouvez effectuer un massage grâce à une balle rigide sur la partie latérale du bassin, le grand fessier, le moyen fessier, le piriforme, etc. Si vous avez un trigger point sur cette région musculaire, vous pouvez le traiter avec des appuis maintenus en statique pendant plusieurs dizaines de secondes. Troisième exercice, il s'agit de l'étirement du muscle piriforme. Pour l'effectuer, vous allez tout simplement placer la partie latérale de votre jambe sur votre genou opposé et vous allez effectuer ensuite une flexion de l'articulation de la hanche de cette jambe opposée de façon à étirer le muscle piriforme de l'autre jambe. Puis vous maintenez environ 30 secondes. Le piriforme est un muscle très intéressant à étirer car il a une affinité anatomique avec le nerf sciatique. Vous effectuez un premier étirement, quelques secondes de repos, puis ensuite vous pouvez réenchaîner sur un deuxième étirement de 30 secondes. C'est un muscle clé à détendre lorsque l'on a une sciatique. On retrouve effectivement très souvent des tensions, des contractures sur ce muscle. Vous pouvez accentuer l'étirement sur la phase expiratoire. Quatrième exercice, il s'agit de l'étirement musculaire du muscle grand fessier. Pour l'effectuer, vous allez saisir votre genou côté à étirer et vous allez l'amener en direction de votre épaule opposée. Vous devez percevoir un état de tension au niveau de la région fessière, mais de façon plus superficielle que l'étirement précédent qui concernait le muscle piriforme. Une fois que vous l'obtenez, vous maintenez cet état de tension pendant environ 30 secondes. Parfois, il arrive qu'une douleur prématurée apparaisse au niveau du pli de l'aine, ce qui traduit un conflit articulaire. Pour retarder l'apparition de ce conflit, il suffit d'appuyer dans l'axe du fémur et de cette manière, vous pourrez étirer de façon plus efficace le muscle grand fessier. Vous pouvez accentuer l'étirement durant la phase expiratoire si les douleurs vous le permettent. On passe au cinquième exercice et il s'agit de l'assouplissement de type prière qui est souvent
très apprécié des patients. Pour le réaliser, vous vous placez sur les genoux et vous allez avoir pour intention d'amener le bassin le plus en arrière possible en direction de vos talons et les membres supérieurs le plus en avant possible. De cette façon, vous induisez deux mouvements, un mouvement de flexion au niveau de votre colonne vertébrale et un mouvement de traction. Pensez à bien respirer, des grandes inspirations et des grandes expirations. Et c'est durant ces dernières que vous allez aller chercher à amener davantage votre bassin en arrière et vos membres supérieurs vers l'avant, de façon à accentuer l'effet de l'assouplissement. Sixième type d'exercice, il s'agit de la prière modifiée. On reprend exactement le même type d'exercice que l'on a réalisé précédemment, mais on va y associer de l'inclinaison vertébrale. Et de cette façon, nous allons étirer les muscles contralatéral à l'inclinaison. Par exemple, pour une inclinaison gauche, nous allons étirer les muscles latéraux droits, tels que le grand dorsal, les obliques, etc. On réalise 30 secondes d'étirement d'un côté, puis ensuite 30 secondes de l'autre côté. C'est un mouvement qui est très intéressant pour détendre toutes les tensions latérales, notamment sur le muscle grand dorsal qui est très souvent retrouvé contracturé dans les problématiques lombaires associées ou non à des phénomènes de sciatique. Tout comme l'exercice de la prière simple, vous pouvez gagner en amplitude lors de la phase expiratoire si vous sentez qu'il reste un peu de souplesse musculaire et que les douleurs vous le permettent. Septième exercice, il s'agit d'un classique, le dos rond, le dos creux. C'est un exercice très intéressant pour assouplir à la fois dans la flexion et dans l'extension vertébrale globale. Lors de l'inspiration, vous allez réaliser une extension de l'ensemble de votre colonne vertébrale. Et lors de l'expiration, vous allez réaliser une flexion globale de l'ensemble de vos vertèbres. Vous pouvez commencer avec des amplitudes modérées, puis au fur et à mesure de la réalisation de l'exercice, aller de plus en plus loin dans la flexion et dans l'extension articulaire. Veillez à avoir un bon positionnement, c'est-à-dire les hanches sont à l'aplomb des genoux et les épaules à l'aplomb des mains. L'erreur la plus fréquemment rencontrée est une flexion de coude lors du mouvement dos rond, dos creux. Et du coup, eh bien, la mobilité n'est plus présente au niveau de la colonne vertébrale, mais au niveau des membres supérieurs. Huitième exercice, il s'agit de l'extension lombaire. Alors, le premier niveau d'extension peut se réaliser sur le ventre et en appui sur les avant-bras. Portez le regard à l'horizontale et maintenez la position pendant environ 30 secondes. Si l'exercice est facile, s'il ne génère pas d'inconfort et pas de douleur, vous pouvez passer au niveau 2 qui se réalise en appui sur les mains. Ce positionnement va entraîner une extension plus importante au niveau du rachis lombaire et donc un assouplissement qui pourra être plus intéressant, plus efficace. Tout comme le premier mouvement, vous maintenez le positionnement en statique pendant environ 30 secondes. Les cervicales sont dans une position relativement neutre avec le regard qui est à l'horizontale. Neuvième et dernier exercice, il s'agit de la mobilisation du nerf sciatique. Vous allez vous placer sur le dos, vous allez saisir votre membre inférieur de façon à fixer votre hanche à 90 degrés de flexion et vous allez ensuite simultanément réaliser une extension articulaire du genou et une flexion dorsale de la cheville, c'est-à-dire rapprocher la pointe du pied vers vous. De cette manière, vous mobilisez votre nerf sciatique. Alors vous pouvez modifier légèrement le positionnement de votre cheville, le positionnement articulaire également de votre hanche, de façon à sensibiliser certaines ramifications du nerf sciatique. Sachez qu'il existe de nombreux positionnements possibles pour mobiliser le nerf sciatique. Si vous désirez le mobiliser davantage en glissement, il sera préférable de passer en position assise. Je vous mets actuellement une vidéo à l'écran si jamais vous voulez tester ce type de mobilisation.
Voilà pour la routine que je voulais vous proposer. Alors, je vous ai montré plein de mobilisations différentes en flexion, en extension, en rotation. Peut-être que tout s'est bien passé, peut-être que certains mouvements ont eu tendance à un peu vous aggraver ou au contraire grandement vous soulager. Sachez qu'en rééducation, on parle de préférence directionnelle avec des mouvements qui ont tendance à entraîner une centralisation de la douleur ou à contrario une périphérisation de cette dernière. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous propose une vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je vous explique ce qu'est ce phénomène de préférence directionnelle. En tous les cas, il faut plutôt favoriser les mouvements qui centralisent la douleur et éviter les mouvements qui entraînent une périphérisation de la douleur. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aidera à vous soulager, à vous soigner. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de vous et de votre santé. Ciao, ciao !